Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une présentation du jeu Bicycle Purple, enfin Butterfly Purple. Allez, donc au niveau du dos, on a ça. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai dit, mais sur ces jeux-là, c'est des jeux en édition limitée. Donc je sais pas combien il y en a de tirage, j'ai pas regardé, mais c'est des éditions limitées. Ça, c'est au niveau de la face de l'étui. Sur le côté, toujours le grand classique. Et de l'autre côté, idem. Et le fond de l'étui, ça change pas par rapport à l'autre. Alors, à l'intérieur, donc on est sur un jeu qui n'est pas asymétrique aussi. Hein, donc du coup, j'ai pas trouvé d'asymétrie sur ce jeu-là. Je crois que j'allais dire une bêtise. Oui, non. Je croyais que j'en avais vu une là à l'instant. Mais pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on reçoit dans ce jeu? Donc on reçoit une carte double face. Rappelez-vous, l'autre c'était As de cœur, Valet de pique. Là, la carte double face est une Dame de carreau, 8 de trèfle. Voilà. On reçoit bien sûr une carte double dos. Donc là, c'est identique comme l'autre. Les deux jokers, ils sont exactement comme le butterfly violet. De toute façon, on est exactement sur la même gamme de cartes. C'est juste les dos qui changent. Donc les deux double faces, les deux sur les deux jokers. Ouais, tout à fait. Alors, je veux pas dire une bêtise, mais... oui, c'était ça. C'était ce design-là. Allez, au niveau des dos, quand j'étale, ça ressemble à ça. Voilà, et au niveau des faces, de toute manière, si vous avez vu l'autre, vous verrez la même chose. Si vous n'avez pas vu la review du jeu violet, vous verrez celui-là. Voilà, je vais montrer les cartes rapidement. Donc les As, on les laisse sur le côté et c'est parti. Donc voilà, donc bien sûr, si vous avez vu la review, la présentation du jeu Butterfly violet, vous allez voir que c'est exactement les mêmes faces. Donc c'est pour ça que je vais un petit peu plus rapidement. Donc c'est juste les dos qui changent. Je suis quand même assez content du jeu, parce que moi qui n'aime pas les jeux qui sont dessinés comme ça et chargés, on va dire. Là, ça reste quand même sobre, sauf que mon avis, mais du coup la carte est largement reconnaissable, donc c'est très bien. Hop là, je le laisse là. Et on termine par les cœurs. Et le dernier, l'as de cœur. Donc les quatre as. Et on termine par l'étalement du jeu entier. Vous verrez comme ça les index un petit peu plus ouverts, les cartes un petit peu plus ouvertes. Et voilà, donc ça c'était une rapide présentation, j'allais dire démonstration, du jeu Bicycle Butterfly Purple. Allez, à bientôt!